Frédéric Zemmour. Bonjour. Vous vouliez d'abord répondre à Thomas Legrand, à son édito. À l'instant, il n'y a pas de guerre de civilisation, il y a simplement deux. Bonjour Madame Frappani. Bonjour mon petit Karim. Vous allez pas nous égorger un mouton dans la baignoire quand même, hein? Wesh Karim, tu passes direct mais pas un bonjour. Ah je t'ai pas vu. T'as vu tout ce qui se dit à la télé? BFM, France 24, ITL, ça casse du musulman dans tous les sens, mon gars. À chaque fois, c'est pareil. Faut un bouc émissaire, faut un coupable, et comme toujours, c'est nous. Et puis, c'est quoi ces conneries d'aller demander pardon en tant que musulman? Ils croient qu'on a quelque chose à faire avec ces fous furieux? Et je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on devrait s'excuser de quoi que ce soit. Aux chrétiens, on leur a demandé des excuses pour le massacre de ce connard de Breivik, ou encore celui du Ku Klux Klan. Il ne faudrait pas abuser. Bon, faut croire que je m'emporte un peu. Mais toi, t'en penses quoi? J'en pense que je vais être en retard pour le boulot. Salut. Je vois que t'as un très joli t-shirt. C'est à moi que tu parles là? Oui, je parle de ton t-shirt là. C'est Che Guevara, tu dois connaître quand même. Bien sûr que je le connais. C'est l'un des plus grands génocidaires de son époque. N'importe quoi. Che Guevara, il est mort il y a 50 ans et il y a encore des tas de gens qui le vénèrent partout dans le monde. Alors, il y a beaucoup plus de figures historiques qui sont restées dans l'histoire. Par exemple? Par exemple, le prophète de l'islam, Mahomet. Et salut, ça sur lui. Ouais. Je crois qu'il y a une fuite de gaz dans la cuisine. Va chercher de l'aide, je vais voir ce que je peux faire. Monsieur, venez, je vous aide à sortir. Restez avec moi. Monsieur, on va se poser là. Je sais pas quoi vous dire. Mais je peux vous poser quand même une question. Il y a quoi dans votre carton? À ce moment-là, j'aurais voulu lui dire qu'il n'y avait aucun carton. Que je ne portais rien d'autre sinon le poids de mon existence. Et que malheureusement, nous vivions dans une société où les gens croient que ceux qui ont la foi portent un énorme fardeau. Mais j'ai préféré lui présenter notre modèle, notre guide à tous, qui saura trouver de meilleurs mots que moi, Rasulullah.